Les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents dans mes différents vlogs sur ma chaîne POV, j'ai expliqué, les gars, que j'ai été invité par Marc Darcourt pour aller participer au championnat marocain de sable de motocross. De motocross, en fait, il n'y a que du sable là-bas, donc de motocross au Maroc, comme je disais. Et j'ai accepté l'invitation, les gars, par expérience, pour l'expérience. Donc là, je vais ramener ma moto. Un convoi, normalement mon pote, je crois qu'il a une vingtaine de bécanes. Parce qu'en fait lui, ses clients, si vous voulez, ils donnent les motos. Et ils font 3 jours de bagnole, de camion, pardon, pour ramener les motos là-bas. Et nous on prend l'avion jeudi prochain. Donc je vous fais un petit vlog, les gars. On va filmer la transaction. Comme ça, si ça se passe mal, eh ben on a des images. Putain, je rigole. Alors ils doivent être là-bas normalement. Ils sont là. Ouais, il y a un gros camion à Lyon. Ah bah il est tout seul. On va voir, les gars, c'est chargé à bloc. Donc les gars, je vais vous filmer un peu tout cette aventure. Je suis passé par là. Ah non, je suis passé au-dessus. Il a loué un camion. En Clovis. Donc là les gars, en fait il faut que je donne la moto, le chargeur de la moto, parce que du coup l'autonomie il est pas fou. Et ah ouais. D'accord. Ah ouais, il y a de la bécane. Il y a de la bécane. Monsieur Darcourt, bonjour. Ah ça va, t'aurais pu en mettre encore plus. Bah, il y en a encore deux que je vais chercher à Verdun. Ah tu vas à Reims? Ouais, ça va. Ça va. Bah et toi? Nickel. T'es chaud pour tes 30 heures de route? 40 heures. Franchement. Ah. Ouais, parce que tu peux pas rouler à 130 avec ça. Bah non, tu roules à 110, mais c'est surtout là en vache carroyant. Ouais. On traverse l'Espagne complet et Agadir c'est au sud, ouais, du Maroc. La dernière fois, ouais, c'était au, ouais, nord. Ah ouais, ouais, donc t'as encore un peu plus de chemin à faire. Putain, il y a 800 bornes là-bas. Donc moi, tu t'aventures, toi. Tu vas te regarder les vidéos là pendant le. En plus, faut te ramener de l'argent, t'es fou quoi. Non, pas moi, pas les miennes. Après, je dis, ouais, tu peux. Bon, lecture automatique. Bon, je te donne 120 kilos de plus. Putain, choc, il est lourd déjà le camion là. Ah bah là, il t'assaut au cul. Hein. Mon petit sac de cross, normalement, j'ai rien oublié. J'ai mis tout, bottes, machin, tout, j'ai juste lavé mes tenues, C'est mieux, prends. Ouais, c'est mieux, sinon ça coûte trop cher à l'aéroport, tu vas galérer. Ouais, donc toi tu prends ça. Ouais. Ça c'est mon chargeur, en fait de base ça c'est dans le pied de la Stark. Moi je l'ai démonté, j'ai fait un petit sangle pour pouvoir le porter. Parce que le pied, ça me casse les couilles. Vu que j'ai acheté une béquille dessus, il y a l'option béquille. Moi je me fais pas chier à la mettre sur le pied. Tu sais qu'en cross, en course c'est interdit la béquille. En Maroc? Non, non, on s'en fout au Maroc, mais ouais, je te dis pour toi. Oui, la ouais. Tu saches que c'est interdit. Ouais, mais ça se démonte facilement. En tout cas, ils avaient retiré des mecs et tout. Là-bas, ouais, tu ouais, peut-être que je la mette devant, ça craint ça, non? Bah, ça, c'est le chargeur, ça. Le chargeur. Bah, si c'est plus safe. Calé, là, si c'est bien calé, c'est bon. Ouais. Hein. Si c'est bien calé. Bon, attends, je te ramène. Moi, je mets le sac là. Hop. Donc là, on va arriver au Maroc. En plus, les gars, ça sera le ramadan. Et j'ai jamais fait de f'tour de ma vie. C'est comme ça, un f'tour. Je sais pas comment on dit ça. Et je parle avec mon pote Hassan en plus, les gars, qui lui a de la famille à Agadir. Donc c'est cool, il va pouvoir me montrer un peu plein de trucs et tout, les gars. Franchement, je suis trop content. Ça va être bien. Et je ramène la pile électrique, bien sûr. En gros, dans le sable du Maroc. Va falloir que je la recharge à chaque fois, par contre. Allez, on est. Ah, je suis à fond! 10 chevaux! Les barres, tu vas l'amener tranquille, ça! Pas de bruit, gros! 120 kilos alors? 120 kilos, ouais! Ah, c'est lourd quand même! Par contre, hein, c'est lourd, tu vois, tu vas la mettre sur le pied, c'est chiant! Essaye de la porter au cul un peu! Juste pour donner une idée un peu, tu vois, c'est lourd! Oh putain, ouais, tu vois quoi? Hein, ouais. C'est pas une petite suron où tu t'amuses! Les grosses enduro, là, tu sais, les anciennes huskies! Ouais, ouais! Par contre, à rouler, y'a pas de poids! Bah oui, bah non, bah c'est comme. Ouais. C'est bien fait, c'est bien équilibré au milieu. Tu veux me la tenir là peut-être? Moi je te la pousse au cul. Je m'en fous, c'est tu peux accélérer, hein, elle est on. Hein. Je vais pas te faire chier. T'inquiète, elle est en mode 10 chevaux. Je sais pas, je te mets le mode 80. Je te mets le mode 80 pour. Ouais, là tu es. Voilà, là t'éteins. Et là le téléphone il va se verrouiller. Tu mets comme ma 500, elle bouge pas, gros. Comme ça là? Bah, regarde, tire au-dessus, gros, regarde comment elle bouge pas. Hey. Ouais, c'est top. C'est top. Attends. Tu mets la roue entre les deux. Voilà. Là, attends, hein. On va porter la deux. Eh, c'est vachement bien un haillon comme ça. Hein. Top, hein. C'est Renault qui me passe ça. Allez. C'est un partenaire à l'année. T'as trop bien. Ils sont top, hein. Putain, t'es bien, mec. J'ai un trafic et quand j'ai mené des courses. Quand incroyable. C'est top. On va mettre ça pour ta poignée pour pas que tu l'abîmes. Ouais. Là, pour pas que t'abîmes le camion du gros. On prend pas les coups de la Star Clinky. Attends, je le.
Voilà. T'es avancé à fond toi dedans? Non. Et en fait, c'est la moto de Kiss. Ah non, je crois que c'était Noah. C'est la mienne. La Honda? Non, la KT, c'est Chris. Ok. Putain, ouais, mon. Hé, hey, t'as fait pas chourer le camion, mon fieu. Bah bon, on prend pas, pas, pas tant de mal. Rien que ce que j'ai avec, gros, bon, il y a mes deux motos, dur, rien que ça. Ah ouais, relou. Tu veux la porter alors? Pourquoi? Mais là. Ouais, le truc, c'est que. Elle est pas assez avancée, je pense, gros. Essaye de décaloter la roue. Voilà. Voilà. Là, le garde-boue, il va être un peu. Pas pour toi, c'est pas bon pour toi, ouais. Ah non. Ça va abîmer ton garde-boue. Alors, remettre un petit bout de chiffon, je sais pas. Bah, ça va pas l'abîmer, ça va le plier un peu, je veux dire. T'es tombé déjà? T'es mis une boîte ou quoi? Maintenant? Tu sais c'est quoi ça? Hier je suis tombé m'a vite fait sur le circuit. Et c'est vrai qu'à la vidéo le garde-boue il était comme ça. Bah ouais bah ça se voit parce que là il va péter hein. Non. Bah regarde t'as déjà le trait gros. Oh vas-y gros. Tu vas rouler au Maroc ça, ça va être beau sans garde-boue. Je rappelle la scène quand j'étais tombé à ta course. Oh, il y avait un mec au milieu du terrain. Et gros, je me relève, je te vois mort de rire. Je te jure, j'ai encore pensé la semaine passée. Je te jure, excellent. J'y vais celle-là, vraiment. Bon, allez. Oh là là, quelle puissance, Hugo, mais quelle puissance. Enfin, si demain j'ai un lumbago, gros, la course annulée. Pas grave, tu filmes. ouais, là, mets-moi un petit truc, gros. Hein. Si tu peux. Vas-y, bouge, on va regarder. Bah, déjà, j'ai déjà rayé, donc c'est bon. Après, c'est une crosse. Hein. Ouais, c'est ce qu'il y a à dire. Je te prends une facture. T'as pas un petit chiffon quelque chose? Tu l'as laissé là-bas ou la moto? Ah ouais parce que attends nous t'as l'aller mais toi t'as le retour aussi. Ouais. Et tu peux pas le sous-traiter ça pour plus tard? Bah je peux pas faire le même prix pour les gens. Le problème c'est que si je veux faire un bon prix comme là tu vois là ils payent à peine 800 balles. Ouais. On va mettre 900 en prochaine parce que c'était trop juste là. Ouais, ouais. Mais je peux pas faire un prix comme ça si je fais sous-traiter par un transporteur. J'ai demandé gros c'est impossible. Combien ils te demandent pour un SMI genre de ramener là? C'était en deux prix à cause du... Il faut deux chauffeurs tu sais pour les relais. Il faut deux chauffeurs ouais. Et ils restent sur place, tu les payes sur place à rien faire. En fait ils partent mais donc tu payes 15 jours ouais, non, les deux chauffeurs tu comprends? Non mais un petit gars en freelance. Tu sais, genre, tu. Ouais, faut trouver, mais gros, ouais, tu donnes toutes les motos à un gars que tu connais pas. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Oh, là, moi, je suis moi dans le camion, tu vois. Toi, t'aimes bien la route, ça te dérange pas? Non, j'aime pas, mais c'est ouais. Mon travail. Ouais, voilà, ouais, ok. C'est des fois, de bonnes choix. Tiens, je te passe tout si tu veux. Tu, ouais, tu... Bon, de toute façon, je vais juste comme ça. Ah, t'as pris des bonbons et tout, c'est bien. Parce que moi, j'ai même pas graissé ma chaîne, gros. Mais je sais, mais non, mais vous allez tous être comme ça, je m'en doute. Tiens, on va caler ça, fut. Parce que ça, ça coûte un bras aussi. Hein? Ça serait con qu'on le, ça serait con qu'on le casse. Le chargeur de la bécane. Oh, bah, bien le mettre avec mes affaires. Et donc, tu me dis, toi, sur la piste là-bas, on peut charger la Stargorg. Y'a de quoi? Centre-ville. Ah, oui, ouais, ok. Ouais, mais j'arrive pas à m'imaginer là-bas, j'ai jamais été. C'est une plage. Il va faire 21 degrés, j'ai vu. Ouais, non, il fait un peu plus chaud, ils ont monté là, 23-24. Ouais, et dimanche 27, j'ai vu. La nuit, nous. Ouais, ah, c'est vrai, ouais. C'est la nuit, on s'en branle. Tiens, donne les deux lave-moto. Alors, et c'est quoi un f'tour? Moi, j'ai jamais fait. Bah, f'tour, c'est leur repas du soir, mais du coup, comme ils mangent pas de la journée, gros, c'est un festin, genre. C'est gargantuesque, tu vois, oui. On mange ensemble et tout, genre. Bah, tous les pilotes. Là, on mange, il a pris un traiteur pour les 250. Oh, pour excellent. 200, c'est un truc énorme, quoi, tu vois. Non. Mais ça me fait chier parce qu'on roule juste après, du coup, on va pas. Ah, putain. Tiens, on va pas manger comme des porcs, gros, on va arriver sur la moto, on va être explosé. Mais si, oh. Ok, bon bah c'est top. Hop là. Bon je mets ça là comme ça. Ouais bah oui bah c'est cool. Quand j'aurai les deux autres motos je saurai exactement comment rentrer. Non ça c'est pas la bonne idée. La caisse aussi. Je vais la. Ah bah gros bon courage pour la route hein. Bah le soir on va jusqu'à Royan c'est tout. T'as combien de temps là? C'est tout. Hein? T'as combien de temps pour y aller là-bas? Bah le problème c'est que j'ai un client hier qui me dit je suis bloqué, mes motos elles sont à Verdun. Ouais. Je dis, putain t'abuses. Du coup là je pars à Verdun là. Ah, je fais, je fais de Loun, Verdun, Royan, il y avait 1180. Ouais. Donc ah, c'est top ces petits camions. Au revoir. Au revoir ma star. Fais pas le con. T'inquiète, il y a un vrai 500 CR à côté, une vraie moto. Bon Marc. Bon, bon bah. Jeudi prochain, tu m'envoies les billets d'avion du coup? Ouais, faut que tu les. Imprimes? Non,
que tu les enregistres 24 heures avant. Ok. Ok. Eh, ça va être trop bien, non? On va c'est rigoler. Un carnage, ouais. Bah, bon courage pour la route, puis. Ouais, ciao. Allez, salut. Bon, bah voilà, les gars, c'est bon. Au revoir à la Stark. C'était une petite vidéo courte. Voilà. Tu j'ai fait ma pile électrique, putain. Allez, au revoir, merci pour les 14. Tu me diras merci plus tard pour les 14 millions. Ah, c'est cool, les gars, ça va être une superbe expérience. Au revoir. Bah, voyons avec un tas, je suis dégoûté. Ça va être une superbe expérience, les gars. Je regrette déjà pas d'avoir dit oui. De base, je suis un mec un peu. Je suis un peu fermé d'esprit pour ça, pour les voyages et tout. Je sais pas ce que. Je suis pas trop attiré, mais bon, je dis allez, vas-y, go. Hein, si je fais pas ça, je fais rien, quoi. Allez, excellent, les gars. Bah, un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire. Je voulais vous demander une dernière chose. Merci déjà d'avoir donné de la force. Les gars, merci beaucoup grâce à vous sur la chaîne POV. Sur TikTok, vous tapez POV, POV View sur TikTok, vous allez me trouver. Merci les gars, quand l'autre coup je vous ai demandé de vous inscrire, de vous abonner. Il y a pas mal de gens qui l'ont fait, ça fait vraiment plaisir. Et je vous invite encore à le faire, les gars, ça fait plaisir. Facebook, pareil, je vous mets la chaîne, il y a tout en description. Vous avez juste à cliquer, les gars, là. Le seul moyen de me donner de la force actuellement, c'est de vous abonner à la page Facebook et à la page TikTok, ça serait super cool, les gars. Allez, bisous les gars et bonne journée.